Allez, on va encore réagir à un film qui va bientôt sortir au cinéma, alors que les salles de cinéma ne sont absolument pas réouvertes. C'est incroyable, quelle ironie, un truc de fou. Ah bah, t'es là toi, ça fait longtemps. Ah non, je suis juste là parce que vous avez fait une petite erreur. Pourquoi ? Bah, c'est la bande-annonce de quel film auquel vous allez réagir aujourd'hui ? Mortal Kombat. Voilà. Mortal Kombat, c'est un film Warner. Mais Warner, ils diffusent leurs films au cinéma. J'avais oublié. Bravo Warner, bravo Warner, bravo Warner et merci. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Frizzade, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction, et j'espère que ça vous fait plaisir de retrouver une nouvelle vidéo réaction aussi rapidement, en fait, hein, voilà. J'ai la quéquette qui colle. Aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce du film Mortal Kombat, qui est bien entendu l'adaptation cinématographique du jeu vidéo immensément connu, hein, voilà. Oui, le truc bien gore. Qu'on adore, voilà, avec les fatalities. Un film qui sera distribué par Warner le 7 avril 2021 au cinéma et en simultané sur HBO Max. Ouais, entre autres, il sera disponible en téléchargement illégal le 7 avril 2021. Youpi ! Merci beaucoup Warner. Je ne connais pratiquement rien du jeu vidéo, je n'ai jamais joué à Mortal Kombat de toute ma vie, je ne connais absolument pas le nom des personnages, je suis vraiment désolé, je pourrais pas vous dire « Oh putain, c'est ce personnage-là » Voilà, je connais juste Raiden, qui est le maître de la foudre, je crois, et je connais juste la tête de Sub-Zero, puisque, bah en fait, Sub-Zero, c'est le méchant du film. Voilà, pour ceux qui connaissent vraiment les personnages de Mortal Kombat, Sub-Zero est le méchant du film. Voilà. Très intéressant. C'est parti ! Lorsque les plus grands champions de la Terre sont appelés à combattre les ennemis de l'autre monde, ils doivent découvrir leur véritable pouvoir pour sauver notre planète de l'annihilation totale. Mortal Kombat est une nouvelle aventure cinématographique basée sur la franchise de jeux vidéo iconiques. Voilà, donc du coup, on va regarder la bande-annonce tout de suite. Lumière, moteur, ça tournerait, action. Et vous l'avez vu, il y a un petit changement de luminosité, vraiment désolé. Je sais pas ce que fait ma caméra, je sais pas ce que fait ma lumière autour de moi. Et bon, oui, sur Bordeaux, il y a un ciel gris, donc je ne peux pas gérer la lumière bleue ou orange qui sort de la caméra. Je suis vraiment désolé. Et d'ailleurs, là, elle commence à virer au rouge. Mais qu'est-ce que c'est que cette caméra ? Serra, qu'est-ce que tu penses de changement de luminosité, de lumière sur cette caméra ? Et qu'est-ce que tu penses, entre autres, du ciel gris de Bordeaux ? Food. Ouais, bah oui, j'attends avec impatience le retour du beau temps, hein. Oui, parce que c'est pas génial. Quoi? Tu t'attendais à quoi? Non, 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 j'allais pas demander ton avis sur cette bande-annonce qu'on a d'ailleurs pas encore vue, voilà. Et je ne connais pas assez le jeu vidéo pour savoir quoi en penser, même sans avoir vu la bande-annonce. Hein, voilà, je connais pas assez le jeu vidéo, je ne peux pas avoir d'avis hyper subjectif. Alors non, je vais pas te demander ton avis. Mais je te retrouve en fin de vidéo, t'inquiète pas. Comme d'habitude en fait, hein. Voilà, transition souris. Nos premières infos datent d'il y a 7 ans. Une mission au Brésil. On devait capturer un fugitif. Ah, c'est Sub-Zero lui. Il a décimé notre unité en quelques secondes. C'est le maître des glaces ? Le sujet est apparemment surhumain. Yes. Il avait la même marque que toi, Cole. C'est de naissance. Comment ça ? Le dragon. Il l'avait quand il est né. C'est pas une marque de naissance. T'as été choisi. Toutes les cultures, dans toute l'histoire de l'humanité, évoquent un tournoi sans pareil. De grands champions. Cette marque, ce dragon, c'est une convocation. Je crois que son nom à lui, c'est Scorpion. Je suis pas sûr. Oh 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 ! Le Mortal Kombat. Yes, c'est sanglant, j'adore. Ce sont eux, vos champions ? Moi, c'est Sonia. Lui, c'est Keno. Liu Kang. Appelle-moi Jax. Kung Lao. Lord Raiden, c'est lui. Le sort du monde est entre nos mains. Qu'importe le nombre de victimes dans nos rangs, nous ne plierons pas. Tuez-les. Oh!
Fatality, vas-y. Get over here. Finisher. On l'emporte. On en mangerait, putain. Yes. Finisher. Fatality. Ouais, bah la hype n'est pas trop présente. J'ai vraiment peur que ce soit un film débile, un peu nul, complètement oubliable, un peu du même style que le film Warcraft. Franchement, qui se souvient du film Warcraft? Ça aussi c'était un film qu'on pensait absolument incroyable, adapté d'un jeu vidéo, et puis au final aujourd'hui on n'en parle plus du tout, hein. Bon après c'est vrai que ça remonte pas mal ce film, hein. 2010? 2015? Aucune idée. Mortal Kombat, peut-être que ça hype un peu plus les gens, parce que là, au moins, c'est extrêmement gore. Bon, extrêmement. C'est du sang numérique, surtout. Mais ouais, ça a l'air sympa. Très sympa. Enfin, sympathiquement débile. Bon, après, de ce que j'ai vu un peu sur Internet, forcément, il ne ramène pas tous les personnages pour éviter le plus de fanservice. Mais bon, je sais pas vraiment trop quoi penser de cette bande-annonce, parce que... Bah, je suis pas connaisseur de l'univers de Mortal Kombat, parce que ça ne sera pas un succès, ça c'est sûr. Ça sera tellement pas un succès. À voir ce que ça donnera, hein. Et puis, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce film sortira au cinéma et sur HBO Max. À voir si les gens sont prêts à dépenser de la thune pour aller le voir au cinéma ou simplement le voir dans leur canapé. Mais bon, voilà, Mortal Kombat, je sais pas. J'ai pas hâte de le voir. Je vais le voir forcément. Juste comme ça, petit moment sympathique, peut-être une petite soirée à voir pour se marrer devant. Je me dis que c'est ça le film. Mais on verra ça du coup en avril 2021 quand il sortira. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z coupé. Et le dernier mot revient à Serra. Qu'est-ce que tu as pensé de cette bande-annonce, Serra? Food. Ouais. T'adores voir du sang giclé. Alors tu vas m'adorer. Finish him. Finisher, pardon. Fatality.